Envoie. Non, bah enlève-la, toi. Mais il y a la main blanche, une C'est petite. pas grave, elle est noire et blanche, ça se verra pas. Mais non. Tu veux pas d'assistante? Non. Ma poupette d'amour. Du coup, t'essayes de lui faire peur pour qu'elle s'en aille? Viens, ma belle. Ton père, il veut te virer. Viens, ma poupette. Ma poupette. Non, tu veux descendre? Aïe, 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 aïe. Bon, du coup, tu commences là avec le noir, ça y est? Première couche? Ça va changer, hein? J'espère que ça va pas faire trop sombre dans la pièce. Trop tard. Attends, attends. Je pousse le parc à bébé. Oui, il est loin, mais je voudrais pas que ça éclabousse. Hop là. Ah ouais. Et c'est bien noir, hein. Direct. Aujourd'hui, on est samedi. J'ai bien dormi parce qu'il est midi et demi, que je suis toujours en pyjama, je me suis levée il y a une heure, quelque chose comme ça, donc c'est vrai que ça me change de d'habitude. Là, David est parti en course, je crois que je viens de l'entendre rentrer, parce qu'il nous manquait deux, trois petites choses pour faire à manger, et surtout, il nous manquait de la peinture pour le mur. Voilà, parce que comme vous l'avez vu hier, on a fait cette partie-là, mais on n'aura pas assez pour faire une deuxième couche. Oui, j'avais bien entendu. Le voilà. T'as trouvé alors? Bon bah c'est bien, on va pouvoir le faire juste après. Là je sais pas si on va manger ou faire ça d'abord, parce que vu l'heure. Dans tous les cas, aujourd'hui on a énormément de choses à faire, donc il va falloir qu'on s'y attelle rapidement. Voilà ce que ça donne de près, ça se voit bien qu'il y a besoin d'une deuxième couche, il y a plein de petites taches blanches, donc on va faire ça tout à l'heure. Et puis là je vais pas faire crevard, je vais faire à deux couches avec un pot de peinture, là je m'en fous, là je vais... Puisque le pot de peinture est rikiki quand même. Hop, mais ça va faire bien. Après, ça va pas rester comme ça non plus. Bon, voilà, David est en train de s'installer pour faire la peinture. Moi, j'ai fait une espèce de pizza, tarte, je sais pas trop comment dire, avec de la sauce bolo parce que c'est ce que je vais utiliser après. Donc, je l'ai ouverte, j'en ai pris un peu. J'ai mis de la mozza, du chèvre de mon côté. J'ai mis du poulet et des saucisses comme ça. En fait, j'ai mis un peu ce qui restait dans le frigo. Un oignon. Ça fait pas mal dans une toute petite surface comme ça, et j'ai parsemé de gruyère par-dessus. Voilà, je sais pas si ça va être bon, mais en tout cas c'est ce qu'on mange ce midi. Bon, du coup, pendant qu'il est en train de faire la peinture, moi je suis venue dans la salle de bain, donc je vais pas vous montrer vraiment la pièce, mais en gros voilà, il y a énormément de bordel. Ça, c'est du linge sale aussi qui s'est un peu accumulé vu qu'on n'a pas de panier, c'est resté là. Là il y a des outils, enfin voilà, il y en a un peu partout, donc je vais commencer à ranger un petit peu ça. Même si je vais pas avoir le temps de faire beaucoup de choses, puisqu'après, bah là, on va manger. Mais ça sera déjà satué. Bon, voilà, j'ai eu le temps de ranger un petit peu. J'ai fait la salle de bain. Je crois qu'il est en train de se brûler. J'ai fait la salle de bain, je me suis occupée du linge. J'ai eu le temps de m'occuper de la vaisselle. Tu te brûles encore? Voilà, enfin bref, j'ai bien avancé. Et là, bah, ça a l'air prêt. Hein. C'est à quelle tronche? Te brûle pas là. Là, je vais le faire. Non? Oh, d'accord. Je te dis, là, je vais le faire. Ok, d'accord. Bon, ben voilà, à table. C'est pas une tour d'assiette parce que... Si, j'ai ça. Bon, moi je vais commencer par essayer de ranger toute cette partie-là, voilà, la chambre qui est dans un désastre pas possible. Et David s'occupe des étagères et bah, je vous montrerai ça tout à l'heure quand je redescendrai. Donc voilà, l'étage c'est maintenant. J'espère que ce sera bien rangé juste après. C'est bien d'avancer dans les travaux, mais ça fait énormément de bordel. Alors, on peut voir l'étagère. Bah, ça fait bien. On va pouvoir ranger. Là, il est en train de faire la prise du tableau électrique. Parce qu'elle ressortait trop. Et du coup, on ne pouvait pas mettre le tableau devant parce que c'était beaucoup trop avancé. Donc là, maintenant, on aura la bonne dimension.
Sinon, il a rechangé les prises qui étaient ici. Parce que c'était des prises classiques. Et là, c'est des prises... plus, c'est des, comment ça s'appelle ça? Des prises sécurité, en fait. C'est ça. Voilà, pour le petit, comme ça, il pourra pas mettre les doigts dans la prise. Et sous l'évier, ça y est, c'est bon, on a une étagère. Donc du coup, on l'a que de ce côté-là. Parce que de l'autre côté, bah, y a la poubelle, normalement. Donc ce sera beaucoup mieux, beaucoup plus pratique et plus de rangement. Parce qu'en fait, au final, ça sert à rien d'entasser en hauteur. On a besoin d'une étagère. Bon, là, c'est pas rangé. Il a remis tout ça comme ça. Mais voilà, j'aurai ça à faire tout à l'heure. Là, je vais aller finir la chambre. Ah, ça y est, j'arrive, tu te lèves. Parce que c'est pas parce que ton père laisse un tas de merde qu'il faut que tu te couches dessus. Ah bah vas-y, vas-y, marche dedans. Ah non, il se recouche dessus. J'y crois pas. Eh, t'as plein de paniers. Il y a le canapé, il y a le lit. Il y a tout ça, mais non, faut que tu te couches là-dessus, toi. Poupette, t'as pas le droit d'aller dans le lit de bébé. Non. Vas-y, tu peux sentir. Oui, bisous, mais t'as pas le droit d'y aller. Hop, après tu mets des poils partout. Voilà. Bon, pour la chambre, voilà ce que ça donne. C'est un petit peu mieux rangé. C'est pas trié. J'ai juste accroché sur cintre. Là, il reste le gros sac de vêtements que j'ai à essayer. Voilà, faut que je sache si ça me va. Ça, c'est les papiers du meuble. Je sais pas s'il veut les garder ou pas, parce qu'il y a encore des petites vis, des petits trucs dedans. Ça, pour l'instant, ça reste là, parce qu'il me faut de la place dans le placard du bas. Et sinon, bah, après, il n'y a plus rien à faire particulièrement. Le placard là-bas, j'y ai pas trop touché, parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose. Mais voilà. Pour l'instant, ça va rester comme ça, à condition qu'elle ne mette pas tout en l'air. Donc ici, il me restera juste à laver le sol, enfin le sol et le truc à poupette parce qu'il est plein de poils. Sinon, il me restera aussi à faire le lit du petit avant qu'il rentre. Et ça, j'attends qu'il arrive pour le ranger parce que c'est trop pour moi. Du coup, je préfère qu'il le fasse. Sinon, bah, on est plutôt pas mal. C'est déjà mieux que ce que c'était en tout cas. Bon voilà, il est 7h, on a passé toute la journée à ranger et ça se voit pas des masses. J'ai un homme là-bas qui est capoute et il y a encore bah, tout le rez-de-chaussée en fait à ranger. Parce que comme on a fait pas mal de trucs, il y a plein de poussière, on a refoutu du bordel partout. Ça du coup on va le monter parce qu'on s'en sert plus dans la chambre à bébé. Parce qu'ici ça prend de la place pour rien, ça c'est pareil. Il s'en sert plus tellement, donc on va le remonter. Et en fait, on a énormément rangé, mais on a rangé beaucoup. Il y avait une pièce, en fait, avec que des cartons. On ne pouvait pas circuler. Et là, maintenant, ça y est, bon, tous les contours de mur sont pleins. Mais au moins, on peut, enfin, tout le milieu de la pièce est vide. Donc ça, c'est bien, parce qu'on en avait encore plein dans le couloir à ranger. On va pouvoir les remettre dedans, mais pas ce soir, parce que là, il y en a ras-le-bol. On a fait un petit peu dans la salle de bain aussi. Il a mis la planche devant la baignoire, etc. De toute façon, la salle de bain, je pense que je vous la montrerai bientôt. Là, je ne vais pas remonter pour vous montrer parce que franchement, j'ai la flemme. Clairement, j'ai la flemme. Et ce soir, il faut encore qu'on fasse à manger puisqu'on n'a pas plein de trucs qui vont se périmer dans le frigo. Donc là, c'est au programme, c'est lasagne, hachis parmentier et poulet... pas poulet basquez parce que je n'ai pas ce qu'il faut, mais poulet à la mexicaine. Voilà, donc on a encore pas mal de choses à faire avant de pouvoir s'écrouler dans le canapé, n'est-ce pas? Alors, hop, 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 debout. Allez, jeune homme, debout. Non. Si. Non. On se lève. Non. Je te jure, je te chatouille. Debout. Oui, j'arrive. Oui, dans 10 ans, quand tu seras endormi. 2 minutes. Et toi, t'as pas d'autre terrain de jeu? Ah bah oui, vas-y, vas-y, va dans le bordel. Vas-y, va dans la poussière, comme ça tu vas nous en foutre partout. Bah oui. On peut pas la confier à tes parents aussi, celle-là? On confie les deux gosses? Non. Mais elle fout le bordel? Non, elle est gentille, ma poupée. Elle est gentille? Bah c'est toi qui vas aller passer l'aspirateur. Bon, Emma, il est déjà 9h15 et on vient seulement de s'arrêter. Donc ça, c'est ce qu'on va manger ce soir, du poulet à la mexicaine. Donc en fait, c'est les épices mexicaines avec des oignons, des poivrons, du riz, juste là.
On a fait également les lasagnes. Du coup, j'attends qu'elles refroidissent. Et puis, on les mettra au congélateur, puisque c'est pas pour maintenant. Et du coup, comme je vous avais dit, on a fait le hachis parmentier. Voilà. Et ça, c'est de la viande avec de la sauce en plus, que bah, on mangera pour faire des bolos ou des choses comme ça. On va la congeler aussi. Donc là, on va manger devant Desperate. On est à la saison 8, c'est bientôt la fin, je pense. Ou mi-saison, je sais plus. T'as la faim, hein? Curieuse.